Faut l'orienter pas... vers la boxe, non? Comment vous faisait là? Je sais pas, c'est toi qui fais. C'est qui? À voir, j'essaye. Tourne-le vers la boxe. Salut Ben. Salut. Ben c'est moi, Benoît. Blanchard, Benoît Blanchard, CE1, Syntex. Syntex, voilà. Voilà. Ah ben, ça date. Ouais. Ok, ça va enfin. Oh, ça va super. Cool. Tu veux rentrer? Ouais. Ben, papa, j'en reviens pas, c'est génial. Emma est enceinte. Eh, ça file, hein. Ça nous rajeunit pas tout ça. Hein? Ouais. Hein? Ben, clair, c'est... Bon, en tout cas, je suis hyper chaud. Chaud de quoi? Bah, pour être parrain. Bah. Ah, attends, bouge pas, j'y vais. Non, moi, j'y vais. Non, j'y vais. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on est venu pour le casting. Quel casting? Allez, go! Ils sont plus de 4 à avoir envoyé leur candidature. Leur point commun, être amis avec Emma et Ben. Leur but, devenir parrain et marraine de leur enfant. Vous faites des vocalises, Devenir marraine de l'enfant de Ben, bah, je pense que ça va me permettre de donner un sens à ma vie. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on choisit ses amis. Alors pour moi, choisir un parrain, c'est faire entrer ses amis dans sa famille. En fait, Emma, c'est ma meilleure amie, donc bah, je pense que c'est un peu normal qu'elle me choisisse pour être la marraine. Quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de débat, en fait. Ah, si, je crois qu'il y a débat, en fait. Non, il n'y a pas de débat. Emma et Ben vont devoir relever le défi. Choisir les meilleurs parrains et marraines pour leur enfant. C'est quoi ce truc là? À la base, on s'était même pas posé la question. Ouais, non, on s'est pas posé la question parce qu'on sait pas si on en veut des parrains. Attends. Nos candidats préparent leurs auditions dans une ambiance conviviale. Non, j'ai mal. Oh, pardon, chérie, excuse-moi. Je vais vous montrer un truc. Photo de classe CE1. Ben et moi, on est assis à côté parce qu'en fait, on est copains, quoi. Voici Irène, notre première aspirante marraine. Bah, bonjour. 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 Du coup, bah, Emma, je te rappelle que je suis ta meilleure amie. Hein? Si tu me choisis pas, bah, tu peux me rayer de ta vie. Voilà. Mais ce serait vraiment fini entre nous, tu vois. Ok. Voilà. Merci, Irène. Merci, numéro 3. Il va nous faire l'heure du café, là. En tout cas, pour moi, c'est tout net. Irène ne semble pas avoir convaincu notre jury. Next. Mais qu'en sera-t-il de Fred, notre prochaine candidate? Bonjour. Salut. Tenez, cadeau, c'est pour vous. C'est un SUV, en rapport avec l'enfant. Ah, mais non, on peut pas accepter, forcez pas du tout. Ah, je veux pas vous forcer la main, hein. Mais je pense que je serai la meilleure marraine pour votre enfant. Ah, vous me connaissez, je suis sincère, dévouée. Et puis j'adore les enfants. Pardon. En fait, ça me rappelle que je peux pas en avoir. Et du coup, c'est dur, quoi. C'est hyper lourd. Hein? Oh non, mais Fred, mais tu m'en avais jamais parlé. Non, mais c'est pas sûr. Peut-être. Enfin, on sait jamais, quoi. Ok. Salut. Merci, Fred. Elle est très touchante. Coup de tonnerre sur le plateau du Grand Défi. Avec cette révélation inattendue, Fred pourrait bien toucher le jury en plein cœur. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ok. Salut mec. Oh, salut mec, ça va? C'est cool, tu joues bien, hein? Ah, merci. Tu t'appelles comment? Benoît. Okay. En fait, je suis le meilleur pote de Ben. Regarde, ça c'est une photo de nous en CE1, ça c'est Ben et ça c'est moi. Ok. On est assis à côté. D'accord. Bon bah, merde. Ok. Et c'est au tour de Ludo, venu présenter un numéro un peu spécial. Bonjour. 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 1, 4. Ben, mon ami. Ben, mon ami. Ben, mon meilleur ami. Tu es le frère que je n'ai jamais. J'y arrive pas.
Mais non, mais Ludo, c'est super, vas-y, concentre-toi. Non, je te dis, j'y arrive pas. On répète, ça marchait très bien, il n'y avait pas les caméras. Non, mais c'est ok. Je peux savoir qui c'est, Benoît? Benoît? Je croyais que c'était moi, ton meilleur pote. Non, mais Ludo... Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a plus Ludo. Ludo, c'est personne, ce type. Mais c'est vrai? Et c'est désormais l'heure du choix pour notre jury. Ludo. Ah, Ludo. Comme Ludothèque. Qui de Ludo, Irène, non. Fred ou non. Benoît non. deviendra non. parrain ou marraine de l'enfant d'Emma et Ben. Sinon, non, je suis aucun et puis... C'est pas une blague, non. Mais oh. C'est si important pour vous, bah... vous avez qu'à tous être parrain et marraine, puis voilà. On... Ouais. Mais non. C'est vrai? Ben oui. Bah oui, oui. Oh, mais gardien! Il n'y a que ça pour vous faire plaisir, mon ami. Oh, mais non! Oh, lève-toi! Lève-toi! L'aventure s'est bien terminée pour nos candidats. Ils ont tous été nommés parrain et marraine. Sauf Benoît.